Et c'est parti les gars. Melnik ne m'en veut plus du tout d'avoir détruit. On est parti pour avancer Metro Exodus. On l'a mis un peu de côté quand même depuis quelques temps, donc on va essayer de continuer. Je déteste voir des let's play en pause. Mais les autres s'y intéressent moins et posent des questions essentielles. Où sont les forces d'occupation? Pourquoi on ne voit que la nature autour de nous et des gens devenus fous? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de remettre le pays en état? À quoi a-t-il passé ces 20 dernières années? Melnik croit que toutes les réponses nous attendent là-bas. Il sera pardonné, tout comme Anna et moi, et nous rentrerons chez nous, dans le métro. Voir demain avec Game Over, parce qu'avec un peu de chance, si il y a une réduc, ça fera toujours une réduc pour Pokémon après. Ma clé. J'ai fait. Tu as mis sur ma porte-clé? Oui. Tu veux vérifier? Les chargements sont longs, oui, Mantao. Ah! Maintenir, let's go! On sait qu'on ne verrait rien de pire que cette secte sur la Volga. Silencieux, c'est ces foutus adeptes fanatisés. L'idiot, ils l'ont appelé, sérieux. Rasotec. Salut Ray, c'est Sangaryu. T'inquiète pas, pas de soucis, l'ami. Je ferai sûrement un live demain pour fêter les 800 abonnés. Demain, on va tester Chronopost Simulator 2019. Pour fêter les 800 abonnés, les gars. Comment tu vas, mon petit Ray? Moi, il y a une grandesse qui vient de tomber du plafond. Bon.
Qu'est-ce que ça tire comme des bourrins? C'est une jeune fille. Quoi? C'est une jeune fille. Oui, c'est ta femme. Ah. La seule et unique dernière balle qui me restait. Ah, j'ai plus de balle non plus. Bon bah. Y a plus rien à offrir, même pas de balle là. Yeah. Quelques heures plus tard. Baby. Bonne madame. Je répète ma question. On fait quoi maintenant? On peut rentrer. Oh, c'est un tiriste. À Moscou, leur dire la vérité sur la guerre, sur le gouvernement. Ils nous tiraient tous dessus à vue. Et même si on arrive à passer, qu'est-ce qu'on peut faire contre Hansa? Personne ne nous croira sans preuve. Et qu'est-ce qu'on fait des habitants? Ils n'étaient pas franchement ravis de nous voir. Est-ce qu'on les tue tous? Quelqu'un serait partant pour ça? Quand on était à Moscou, Artyom rêvait de trouver un endroit habitable pour y fonder une colonie. Il est peut-être temps de s'y mettre. C'est une bonne idée, mais comment trouver cet endroit? On avance au hasard? L'Aurora a besoin de prévision. Qu'est-ce qu'on fait si elle tombe en panne? Les satellites. Quoi, les satellites? Tu comptes quitter cette putain de planète? Il y a un centre de communication satellite sur la mer Caspienne. Et il tient toujours debout. Ah! Et si on parvient à accéder aux données récupérées par les satellites? Plus besoin d'avancer à l'aveugle. Les cartes de niveau de radiation, même de simples photos satellites pourraient nous aider sur le terrain. Ah, c'est une bonne idée. Et si on trouvait encore pire que des cannibales? C'est possible. Mais premièrement, on va se montrer très prudent cette fois. Et deuxièmement, est-ce que quelqu'un a une meilleure idée? Moi non. Je crois bien qu'on a un nouveau plan. Artyom, si on allait chercher l'endroit de tes rêves, joue du sifflet. Let's go. Trois mois sur la route. Trois mois d'épreuves incessantes. Mais après Yamantau, on est prêt à affronter tout ce que le sort nous réserve. On n'est plus qu'à quelques kilomètres du centre de communication Caspienne 1. J'ignore si les cartes qu'il renferme nous permettront de trouver un coin sans radiation où on pourra enfin vivre tranquillement. Il faut garder espoir, c'est tout ce qui nous reste. Le désert ne nous ménage pas. L'équipage meurt de chaud et de soif. Et l'Aurora n'est pas au monde. On n'a plus de charbon. On en est rendu à brûler tout ce qu'on trouve. Des vieilles traverses et des branches. Thank you.
Les chargements, c'est long. Ah, voilà, putain. Cette chaleur, je me sens pas bien ici. Gangster, déjà on sait que c'est des méchants. Sur ces hommes dans la voiture. Ils ont l'air de simples bandits, mais on peut prendre aucun risque. La voiture est partie vers le village. Je crois qu'ils ont un relais de communication. Je dois contenir des infos. Et c'est justement ce qu'on cherche. Rends-toi sur place quand t'es prêt. Est-ce que je peux fabriquer des trucs? Dites-moi que oui.
Ouais, c'est quand même un peu discret, si jamais. Ah oui, qui arrive, ouais. Fais peur. Tout droit, c'est bon. Thank you.
dû venir ici. Je me rends. Il fait pas me casser les couilles. Putain, moi qui voulais conduire.
Un sous-marin en plein milieu du désert. Vache. C'est pas des rafales qui ont pu amener ça là. Hein. Je pense avoir une idée de mon prochain jeu, Red Dead Redemption 2. J'ai déjà fait Red Dead Redemption 2. Ça devrait être l'océan avant le désert. Ouais, bah peut-être. Je sais pas exactement, puisque je connais très peu l'univers métro. Donc je sais pas si ça se rapproche de quelque chose qui existe vraiment pas. Mais comme tout se passe en Russie potentielle, pas loin de Moscou, l'océan, je vois mal où ça pourrait être, quoi. Oh, les nappes de pétrole qui s'enflamment carrément. Non. Putain, juste ça, ça me fait... Ah ah ah, saloperie. T'es pas obligé de me le sortir, cela. Donc faut que j'aille là-bas. Après, c'est juste après une guerre atomique, donc t'imagines bien que... D'après ce que je comprends... Le truc est cool, toi, c'est qu'en démontant, tu récupères les éléments des armes que tu n'as pas encore rencontrés. Comme ça, après, tu n'as plus qu'à prendre l'élément et le fabriquer par, pour ton arme à toi. On va voir, c'est quoi cette arme-là. Oula, petit coup de lag. Non, mais carrément crajus en fait. Oh putain. Crajus, jeu. Top. Eh ben, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'adore finir sur un bug. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Tout le monde, peace!